Salut à tous et bon retour au cours FCCJD à distance. Ayant du bon sens, vous pouvez remarquer que cette séance prend la forme d'un show que j'appelle moi-même FC Sam Show. J'espère que la semaine, le congé, était prospère. Voyez à ma gauche ma petite cousine Tali qui m'a tenu compagnie pendant votre absence. Salut Tali, ça va? Oui, Samy, ça va. Je pose souvent deux trois à mes élèves, leur disant comment tu es élégant, intelligente et adore la langue française. Te voilà maintenant, dis-leur ce que tu fais là. Je regarde un show sur le chemin à parcourir pour arriver à la maîtrise d'une langue. Oh, c'est génial! Quel est ce chemin alors? Il s'agit de connaître le fonctionnement verbal. Waouh! Je vais en faire un sujet de cours pour cette semaine. Sur ce, je te laisse, Tali. Je vais donc à la bibliothèque. Au revoir, Samy. Me voici, mes amis, maintenant dans la bibliothèque, devant mon ordinateur, en train de vous préparer quelque chose. Comme l'a dit ma petite cousine tout à l'heure, je vous prépare, vous les élèves de 7e et de 8e, quelque chose sur le fonctionnement verbal. Bien sûr, c'est ce qu'on va voir cette semaine. Et vous les élèves de 9e, nous allons travailler cette semaine deux langues, espagnol et français. Dans le cours d'espagnol, je vais vous envoyer d'abord le corrigé et le cours sur l'exercice 11 à 30. Et ensuite, je vous enverrai l'exercice 31 à 50. Pour le cours de français, nous allons faire un rappel sur le discours direct et indirect. Ensuite, je vais vous donner un cours sur la concordance des temps. Et finalement, l'exo 128 à 137 vous sera envoyé. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine. Au revoir mes amis, à la prochaine.